Allez, ça dégage! La tête sur le sol, madame! Les putains, la cave! J'ai un poignet à caca dans le ciel. Bienvenue dans Pokémon. C'est un univers regorgeant de créatures appelées Pokémon. C'est logique. Vous y retrouverez des Pokémon incroyables, tels que Pikachu, Monsieur Mime, ou bien encore, Lapin Chouquette. Tout le monde est pépé de créatures appelées Pokémon. Ouais, je connais, je suis un vieux de la vieille. What? Oh, c'est Hitler. Non, non. Jacob. Jakubowicz. Le moment est venu, Wolfic. Multitude de gens de Pokémon, un tas de choses. J'ai hâte, je me tâte. Ah oui, Wolfic, ne va pas dans les autres herbes. Bah, c'est le print, non? Bah, je dois. Ok, maman, t'es caté, ouais. Écoute, Wolfic. Putain, ouais, on dirait genre le parrain, quoi. Écoute, Wolfic. Je veux un Pokémon gracieux. Je veux pas un Lipoto. Je veux un Monsieur Mime. C'est vrai que Pokémon, c'est un minerva également qu'ils ouvrent leur cœur. Oh, ils ouvrent leur cœur, comme David Jones. Oh, boum! Le mec est un terroriste, j'aurais dû le renommer à la Hamamoula. Allahu Akbar! Oh! Le boss final du game! Vous ne me semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. On peut savoir ce que vous comptiez faire les autres herbes? Eh, Wolfic, ce vieux bonhomme là! C'est le professeur Sorbier, pas vrai? Fait-il ici? Je sais pas, je questionne, je suis en phase de doute. Je veux trop avoir cette voix, le blond. On va le faire parler comme ça. Deux petits sauts qui se promènent dans les autres herbes alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Réponse A. On aurait dit une énigme, what the fuck. Point d'exclamation! Tu as beaucoup de cœur! Point, point, point. Je vais vous confier des Pokémon! Et je vous rends mes excuses. Ouais, c'est cool, allez, vas-y, casse-toi. Tu commences à me saouler avec tes accents de merde là. Allez, vas-y. Elle est trop bien la musique. Oh, le graphisme 3D, mais c'est. Waouh, c'est la VR. Attends, j'ai le choix entre un macaque, un pingouin ou un truc qu'on genre on sait pas. Oh, mais quel Pokémon nul! Après, lui, c'est. Quelque part, lui, c'est vraiment un rappeur, tu vois. Lui, il fait plutôt un. Il pourrait faire un très bon duo en tout cas. Je prends sur Mysticram. Ah, il a pris le macaque. Ah, l'arabe qui prend le macaque. MDR. Mais quoi cette aptitude? Reprends-toi. Hey Wolfic, maintenant on a chacun Pokémon, il n'y a plus qu'une chose à faire. Tu te sens volateur? Mais le mec m'engueule, j'ai rien fait. Quoi? What the fuck? Mais ce mec a l'air vraiment complètement possédé, hein. Repli. Ça a l'air d'être de la merde. Ah, c'est une attaque haut qui fait des dégâts inexistants. Eh bien, c'est vraiment super. J'ai adoré cette attaque, notamment sur la fin. La, 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 la. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Vraiment? Waouh. J'ai rien dit. Toi et Wendy avaient de la chance d'être tombés sur le professeur Sorbier. Je préfère ne pas penser à ce que les Pokémon sauvages vous auraient fait. Ouais, ils auraient fait du sale. Ils auraient... T'as vu, voilà. Mettez-les. Mais quoi, il m'attend la sortie? Mais c'est vraiment un arabe ce mec! C'est de là qu'on va souvent jouer. On raconte qu'un Pokémon légendaire est vie. Tu vas venir l'attraper ce Pokémon. Oui, bien sûr, ouais. Donc tu viens de recevoir un putain de chimpanzé, t'es déjà en mode on attrape Pokémon légendaire. Bah moi je vais à gauche, tu sais quoi? Tu fais pas chier, je vais à gauche. Le lac, on y est presque. Prépare... Ah merde, c'est là qu'il faut aller. Ah putain, merde. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Un homme qui aime les Pokémon de type O. Ça se voit à la couleur de ses chaussures. Oh, ouais, t'es un génie toi. C'est vrai que les premiers PNJ servent à rien, hein. Enfin ils t'expliquent les trucs, mais j'ai déjà joué à Pokémon 3, donc je connais le jeu. Hein. Bon, en fait les PNJ servent à quelque chose, parce qu'ils te donnent des potions, donc c'est super important de leur parler les gars. Je vous recommande vraiment de parler à tous les PNJ que vous trouvez. Ah. Salut, je t'attendais sur moi s'il te plaît, professeur t'attends. Ah ouais d'accord, encore une fois on m'attend à la sortie. Peut-être parce que je suis une femme, quelle société patriotique, raciale, polysémique. Coco. Mais putain, mais je suis jamais libre. Eh, ça me saoule. Non mais même si tu me donnes des trucs et tout, ça commence à me saouler de pas pouvoir faire 5 putains de pas sans me faire aggro par un truc en fait. C'est même pas des combats, genre là c'est juste des bla 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 bla. Putain. Ah. Je sais ce que c'est un centre Pokémon. Poupi pili pimu pimu poupi pou pou. Allez casse-toi pitié. Et tu retournes pas. Merci. Oui, je peux marcher librement. Nice. Je regarde pas des streamers sur des jeux auxquels je suis pas attaché, mais là, Pyro, le rend. Je suis dit que les clics, putain. Mais je viens d'en acheter un. Arnaque. Vas-y, je vais le revendre au marché noir. Papi, t'as qu'il a si bien l'élastico, coco,
Yeah, I'm scared around by the coast, ready to go. Oh my god. Bonjour. Mais putain, je suis jamais tranquille. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me saouler. What the Wolfic, c'est une mission de premier ordre que t'as confié le professeur Sorbier. Fonce mon chou. Va à la fac, pour-toi la gueule en boîte de nuit. Et un petit journal quand même. qu'est-ce qu'on se marre sur ce stream? Et reviens de temps en temps, j'aimerais voir les Pokémon que tu auras attrapé, mon chou. Oh mais putain! Ah, c'est sa mère, l'autre arabe de mort. Hé, Choubi, mon gosse, il est pas là! Il a dû déjà partir! Mon garçon m'a crié qu'il partait à l'aventure, puis s'est précipité. Il est si têtu et téméraire, je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas! Non, merde. Ne vous inquiétez pas, Wolfic va lui apporter. Oh vraiment, tu ferais ça pour moi? Apporte ça, Gwendy, pour moi, s'il te plaît. J'ai reçu un colis de la poste, je suis content. Au revoir, Wolf. Merde, au revoir, Wolfie. Laisse-moi réfléchir, connaissant mon petit, il ira sûrement directement félicité. Ça doit être le pire accent que j'ai pris de ma vie. C'est insupportable. C'est bon, je peux me casser ou pas? Oui, trop bien. Alors, on va faire un bisou quand même. Comment on fait un bisou sur Pokémon? On fait un tour. Voilà, bisous maman, je t'aime, des fois, principalement quand c'est l'heure du repas. Ok, vas-y, on y va. Comment ça se fait? Est-ce que vous pensez qu'il y a des Pokémon rares dans ce buisson là? On va voir. What the fuck? C'est vraiment très très moche. C'est quoi cette merde? C'est vrai que j'ai cassé le Pokémon. C'est une super blague du jeu, ça. J'ai le choix entre un chauve lépreux ou un jeune BG. Salut, ça va? Merde, c'est vrai que je suis la fille. Salut. Oh putain. Va parler à la gentille dame à la réception de l'une de tes Pokémon, va la remettre au pied. Oh putain. Il veut quoi, lui? Salut. Tu vois le PC là-bas dans le coin? Le joli PC bleu. Tu es libre de l'utiliser pour gérer tes Pokémon. Merci, monsieur. Oh là là, c'est tactile, j'adore. Tu sais comment attraper un Pokémon? Je vais te montrer comment on fait. Alors, regarde bien, ok? 3, 2, 1, on y va. Bat, 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 bat. Bah attends, mais tu l'as fait bip à plus? Mais pourquoi il est lent à appuyer sur X, mec? T'es sérieux, mec? Genre, c'est sur Linux et tu dois coder la touche X à chaque fois que tu veux la faire? Ça se passe comment, là? Il prend 4 ans pour appuyer sur sa touche X. Insupportable, ce joueur. Aïe. Un de dégâts. Quelle victime. Gamma Rachid. What? Il y avait pas Gamma Rachid dans Pokémon Génération 3, hein. La migration qui commence déjà. C'est quand même le premier mec qui t'agresse, il s'appelle Gamma Rachid, hein. Genre, excusez-moi, mais c'est pas pour insinuer que hein. Mais on n'allait pas loin quand même. Rémigration, comme le dirait l'autre. Parce que on vole de... Oh, nice! Plus besoin d'avoir des potions. Et ça, c'est vraiment Gamin Chuk. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce Tchétchène? Va ouvrir des fake hamburgers de merde non halal à Paris et fais pas chier. Oh non! 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 Mais what the fuck, il est niveau 4. D'où il bloque ma fuite? Mais c'est quoi cette merde? Complètement horrible ce qui s'est passé. J'espère que cette Pokéball vaut le coup. Et du coup, je l'utilise comment, la potion, vu que le mec il est mort? Tu peux pas. Oh, hello. Oh, nice, une ville. Bonjour. Putain, je commence à en avoir ras-le-bol de ce mec. Ah, oh, si on était dans Dark Souls, j'aurais déjà frappé, là. J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, parce que tu me spam H24. Mais comment avez-vous deviné? Comment savez-vous que je fais partie des forces de police internationales? Tu as tout de suite vu que je sortais de l'ordinaire. Redoutable sens de l'observation, chapeau bas. Bon, il commence à me saouler. Je lis plus. Non, mais tu m'as gavé, voilà, tu les dégages. Voilà, c'est très très gentil, mais casse-toi quand même. C'est marrant, toutes les personnes qui me font chier me donnent des trucs. C'est comme si elles devaient compenser un manque, tu vois, genre je fais chier le monde, alors à chaque fois que je parle à quelqu'un, je lui donne une potion. Oh, regardez, y a Amtaro. Amtaro. Ouais, si je t'ai reconnu, t'inquiète pas. Bastodion, vas-y. Avec Bastodion, dites oui aux amidons. Fais gagner grâce au Magikarp que mon papa m'a donné. Bonne chance, mec. Putain, mais j'en ai ras-le-bol, sérieux. Dès que je sors d'un endroit, je me fais aggro par un truc, c'est trop trop chiant. Mais j'en ai rien à foutre de ton produit de merde. Non, je m'en tape. Ah, il bloque plus, hein, enfin. Oh, mais putain, mais c'est abominable, sérieux. Non, vraiment, c'est insupportable, hein. Nice. Oh, mais putain, mais j'en ai ras-le-bol, sérieux. Oh, vas-y, Rayos, survie. Survie, Rayos. Oui, oui, Rayos, monsieur. Bien sûr. Le coup critique qui sauve. Le coup critique qui sauve, Rayos, qui va avoir tout l'XP pour lui. Oh là là, dire que je pensais qu'il ferait de la merde dans cette arène parce que c'est de la roche. Que dalle, Rayos, il carry of the doom. Oh là là, Rayos, GG.